Bonjour mes projecteurs, bonjour la famille. La guerre entre Stéphaël et la star ivoirienne Emma Loïs ne compte pas finir comme on pense là. Cette guerre ne doit pas finir. Pour ceux qui ne sont pas encore au courant, ou bien pour ceux qui sont déjà au courant, c'est toujours en train de cuire. Makoso a fait une sortie terrible que nous les Camerounais, nous ne sommes pas contents. Avant de vous présenter la vidéo de Makoso, du général Makoso, le pasteur, il faudrait que ceux qui ne sont pas encore au courant de l'affaire, Stéphaël est la nouvelle présentatrice sélectionnée pour l'émission Secret Story. Voilà, et c'est la toute première pour les Africains. Il faut rappeler ce qui se passe entre les deux. Emma Loïs, elle était sollicitée. Stéphaël, parce que Emma Loïs, le cachet de Emma Loïs était trop cher et on a choisi Stéphaël. Et elle a NDEM, elle a fort cop à la première mission et tous les internautes et les téléspectateurs étaient contre cette présentation pour une première. Emma Loïs a donc fait un post en disant quoi, c'est un story, un statut, que le moins cher est cher. Même comme après elle veut prouver que ce n'est pas à Stéphaël qu'elle s'adressait. Ça a donc cuit. Ça allait dans tous les sens. Stéphane a aussi fait une sortie pour recadrer Emma Loïs. Ce qui fait que les Ivoiriens ne sont pas également contents de la sortie de Stéphane. Voici d'abord ce qui crée tout le désordre. La petite vidéo, dont la présentation qui a tout gâché. Écoutez un peu, c'est quelques secondes. Connexion de maison pourtant. Je suis l'antenne? Ok, c'est bon. Entre. Ça va, ma chérie. Ok, vous avez compris, non? Voilà d'où donc. Voilà d'où vient tout ce qui se passe sur la toile. Voilà d'où vient le problème. Donc, non seulement l'erreur qu'elle a fait étant en direct, en demandant tout ça, elle était en direct. Ce qui n'est pas professionnel, même sa présentation n'était pas, et c'est la toute première. Rappelons que beaucoup de stars camerounaises l'ont apporté leur soutien, la star de Bikusi, Mani Bella, même l'une autre UDM, Muriel Blanche, et plein d'autres. Nous allons maintenant écouter Makoso, tout simplement parce que Makoso est ivoirienne, et Makoso veut défendre sa sœur Emma Loïs. Écoutons attentivement Makoso. Mais Makoso, je t'ai dit déjà en avance que fais gaffe. Pour le premier secret story de l'Afrique, tu as humilié le continent. Tu as fait fort, tu as fait fort. Ouais, ma petite, tu as fait fort. Tu es nul. Tu es vraiment nul. Tu es l'animatrice la plus nulle, et je dis bien la plus nulle de l'histoire de la télévision africaine. Tu es la plus nulle. Et ce qui est dangereux dans cette situation, c'est quand tu es nul et tu crois que tu connais. Là où je te parle, tu m'en là. Non, je suis dépassé. T'as dit tu es nul. Et puis tu crois que tu es une star. Ma chérie, tu es nul. Nul à chier. Tu es l'animatrice la plus nulle de l'histoire de la télé africaine. Et dans ta nulleté, tu te permets de vouloir clasher la diva. Et ma petite, en cas que tu ne connais pas ta place dans la vie, chacun doit connaître sa place. Tu es nul. Et quand on est nul, on la ferme. On se tait. On écoute les critiques. On prend les remarques. Et puis on essaye de s'améliorer. C'est très important l'humilité. On dit l'humilité précède la gloire. Tu es nul, tu es orgueilleuse, et en plus tu es mince, et tu veux répondre à qui? Il faut faire attention. L'image de l'Afrique que tu es en train de détruire dans cette émission, pardon, tu me donnes cette émission, je l'anime du début jusqu'à la fin correctement, sans débat. Tu as eu la chance, on ne sait pas dans quel coup, dans quel casting, Canal Plus a voulu prendre une animatrice comme toi, je ne sais pas. C'est-à-dire au Cameroun, on donnait même ça, comment elle s'appelle, Tatiana, celle qui est sur Canal 2, elle gérait ça proprement. Je ne sais pas. Pourquoi dans le casting, c'est toi qu'ils ont remarqué? Je ne sais pas. Je ne sais pas quel était le pacte, quelle était l'alliance, mais quel était le gérage, mais quel était le... Voilà, pourquoi on te prenne? Je ne sais pas. Mais tu es nul. Il faut qu'on te le dise, tu es nul. Maintenant que c'est dit, tu vas prendre l'humilité, voilà. Tu vas t'asseoir, tu vas laisser maintenant tes soi-disant... Mais même dans ta réponse, regarde ta réponse que tu as bien fait. Eh bien oui, ben moi, au moins, je on ne vend pas des règles. Même ta réponse, tu le fais de faux, tu es nul. On dirait une waka qu'ils ont soulevée de je ne sais où, pour aller la parachuter quelque part avec un comportement de villageoise à deux balles. Faut te ressaisir. Faut te ressaisir. Tu vas prendre 3 jours de jeûne et prière.
Tu vas demander à Dieu de te donner le talent qu'il faut pour gérer cela. Ensuite, tu vas te mettre dans la peau d'une actrice ou bien d'une animatrice que tu aimes bien et tu vas essayer de l'imiter. Par exemple, Koné Touré. Tu vas essayer de l'imiter un peu, tu vois, non? Tu vas rentrer dans sa peau, tu vas essayer de taper la gestuelle. Tu vas laisser ton chocobé à deux ballons. Voilà, donc, voilà un peu les propos de Makoso. Fais pas chier, le mari. Appelle-la. Bon, Makoso, tu as raison de défendre ta soeur. Même si elle s'est mal comportée. On comprend que tu veux tout faire pour protéger ta soeur. Mais nous, également, Camerounais, on ne peut pas jeter notre soeur à la vindicte populaire. On ne va pas accepter que n'importe qui raconte n'importe quoi. Surtout qu'elle dit dans son post qu'elle veut prouver aux jeunes filles, ces jeunes petites soeurs qui viennent derrière, qu'on peut partir de rien pour être... Elle n'est pas obligée de vendre de piment. Elle n'est pas obligée de faire la vie des rêves. Comme pour... Ou bien vendre l'homme l'onton. Pour devenir... Ou bien pour faire quoi que ce soit. Voilà. C'est le message qui m'a intéressé sur son post. Bon, elle a dit que votre star Emma Lewis, elle a aussi à 6 ans. Comme elle brille, elle brille, elle brille. Elle n'a même pas encore fait 2 ans. Donc calme-toi. Peut-être d'ici 6 ans, elle va même dépasser Emma Lewis. On ne sait pas. Donc, Stéphane, beaucoup de courage. Les débuts sont toujours durs. Il faut persévérer. Je pense que à force de forger, on devient forgeron. Et ce qui est pour toi est à toi. Ça ne va aller chez personne. Que les jaloux. Vision Pro. Vision Pro. Bienvenue au laboratoire photo Vision Pro. Le laboratoire Vision Pro vous ouvre ses portes du côté de Yaoundé, au quartier Ekounou, avec une machine de dernière génération. Le laboratoire Vision Pro vous propose le service d'impression photo sur petit et grand format, toutes les dimensions confondues. Vision Pro, tu restes mis. Le laboratoire Vision Pro est professionnel pour les agrandissements photo de toutes les dimensions. Imprimez les photos de vos tablettes, téléphones et smartphones au laboratoire Vision Pro. Un prix imbattable, défiant toute concurrence. Le laboratoire Vision Pro est situé à Yaoundé, à 200 mètres, venant du carrefour Ekounou, à votre droite, et à 400 mètres, venant de Carrousel, à votre gauche. Numéro de téléphone, 672 30 37 85 697 39 27 28.